Hello, bonjour. On va parler aujourd'hui de la chanteuse des Spice Girls, Mel B, qui s'appelle en fait Melanie Brown, qui s'est retrouvée dans un scandale récemment. Donc, pourquoi y a-t-il un scandale? Parce qu'on l'accuse et on accuse le monsieur avec lequel elle travaille, qui est un bon ami, d'avoir eu une liaison. Son nom, c'est Simon Cowell. C'est un grand producteur anglais, producteur de musique et aussi c'est un producteur de télé-réalité. Par exemple, l'équivalent de The Voice en France. Pourquoi on l'accuse? En fait, lui et Mel B ont travaillé ensemble. C'est lui qui a fait venir Mel B aux États-Unis pour lui donner une place dans The Voice. Elle était censée juger les jeunes chanteurs qui voulaient rentrer dans le business. Donc, elle y est restée quelques saisons pour ensuite ne plus travailler à cause de ses propres problèmes personnels avec son mari qui l'accusait de l'avoir trompée et l'accusait d'avoir pris de la drogue. Donc, elle a quitté la télé américaine, elle rentre en Angleterre et on apprend aujourd'hui que Simon et elle ont eu une histoire. Mais le problème, c'est que Simon Cowell est déjà fiancé à une autre femme. Elle s'appelle Lauren Silverman. Lauren Silverman avec laquelle il a un fils qui s'appelle Eric, c'est son fils. Rappelons que Lauren Silverman avait laissé son mari pour se mettre avec Simon Cowell et ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble et il ne lui a toujours pas demandé de l'épouser. Tout ça est arrivé il y a quelques semaines. On a appris il y a quelques semaines qu'elle aurait eu cette liaison avec Simon Cowell. Les deux parties, c'est-à-dire Simon Cowell et Mel B, ont démenti l'information, sachant qu'il y a des sources proches des deux qui confirment bien une relation. Pour apaiser les choses, Simon Cowell et sa compagne ont été vus ensemble à Los Angeles en train de se promener avec leur enfant. Mais les rumeurs courent toujours. Rumeurs qui ont été vivement démenties par Mel B, qui dit n'avoir rien à voir avec Simon Cowell. C'est une question aussi de crédibilité, dans le sens où si elle a une liaison avec lui, les gens se demanderont si, en ayant cette liaison, elle ne se serait pas comme ça assurée une sorte de pérennité dans les émissions du monsieur. On se demande si c'est pas une sorte de promotion canapé où il la mettrait dans ses émissions pour une quelconque relation ensemble. On ne le sait pas. C'est peut-être des rumeurs, ça l'est peut-être pas. Après tout, ce n'est pas notre business, mais je voulais juste faire cette vidéo pour les fans de Mel B et qui voudraient bien voir son actualité. Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé et vous abonner pour plus de vidéos. Merci.